salut, on est Lode, on vient d'ici. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fait, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est être sur le plateau qu'on va laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. Sous pour les victimes, les jours de service sans richesse, c'est le hold-up de
N'oubliez pas de consommer au bar, c'est hyper important. Surtout que la bière hydrate pas très bien, à ce qu'on m'a dit. Donc il faut en boire beaucoup. La prochaine chanson, j'aimerais la dédier à quelqu'un de très spécial ce soir. C'est Bouddha, et puis cette chanson s'appelle Les meilleurs amis. Vas-y, Jonathan. Depuis qu'on est tout petit, on est toujours réunis. On est les meilleurs amis. Amis pour la vie, tu me confies tes soucis, tes regrets et tes envies, parce qu'on est les meilleurs amis. Les amis pour la vie. Super gentil, ça marche pas du tout ce que tu dis.
Je vais faire voir ta propre prise, mais c'est Alex, ta femme est filée, la syphilis. Toujours pas, non, la syphilis, en fait, c'est pas très gentil, puis ça veut dire que tu l'as aussi. Comique de répétition. S'appelle Où est Charlie, et c'est, une fois n'est pas coutume, une composition de notre guitariste, chanteur, maître chanteur à ses heures perdues, Florian Asler. Bravo! We'll be right back.
Yannick Trollier au saxophone alto. Rapide. Sur les scènes de Genève. C'est nos 10 ans à Genève. Joyeux anniversaire. Ouais. Non, c'était pas pour ça. Je sais plus, j'avais un truc hyper intelligent à dire, mais là, vous m'avez trop ému. Ah non. Ah oui, il y a quelqu'un de spécial dans le public qui nous a accompagnés depuis le début et qui est toujours là. C'est Loïc Pignolo. Allez, et vu que t'es tellement spécial et que j'ai pas besoin de trombone pour ce morceau, bah tiens, je vais te le donner. Danger! Voilà! Ouais, il vaut pas cher celui-ci. Ça se vend très cher. Alors, indigestion politique.
religion politique. Pas faire tomber ma bière depuis le début du concert. Et voilà, ça n'arrive jamais. Bravo Florian, on y croit à chaque heureusement fois. Il reste une gorgée. On avait dit que tu parlais plus. Enchaîne. Ah, Loïc, il va falloir que je récupère. Non, en fait, tu vas faire ce morceau au trombone. Salut, on s'appelle Lod. Salut. On vient d'ici. Le prochain morceau. Le prochain morceau, c'est. En fait, il a été écrit en l'honneur de Yannick Trollier, ici présent au saxophone baryton et saxophone alto. Parce qu'une fois, il a fait un solo, et puis du coup, on a appelé ce morceau Yann Solo. Voilà. On a un humour top class, généralement. En fait, nos trucs à nous, c'est les noms, quoi. Par exemple, Lod, c'est super. Hein. Enchaîne!
de me rappeler ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que ça faisait qu'on avait 10 ans. En fait, c'est parce que j'ai l'impression que nous, on a vieilli, mais la majorité de notre public, pas. Ou alors, ça s'est renouvelé et les gens continuent. Sympa. À part toi, Olive. Toi, tu es éternel. En plus, Olive a posté une photo il n'y a pas longtemps sur Facebook où il paraît plus jeune qu'il y a 10 ans. Super ouais, anecdote. On en reparle à te proposer, peut-être. C'est mieux. Je me rappelle jamais ce que je veux dire parce qu'il y a tout le temps des cons qui m'interrompent. Non, la prochaine chanson elle s'appelle Quand j'étais vieux. C'est une erreur de grammaire. Vous avez compris? Attends, je vais la refaire. Non, voilà. Et elle est dédiée à quelqu'un à qui j'ai jamais dédié de chanson, je crois, toute ma vie. Diane Muller, ah, tu croyais que t'étais caché au fond. Allez là-bas, regardez, un applaudissement pour Diane Muller. Ouais, on est un peu à la maison ici, c'est cool. Merci en tout cas. Quand j'étais vieux, allez, on y va là. Le malaise. Comment il va aller là, celui-là? Qu'est-ce que je fais, j'y vais ou...
Chain, c'est une reprise et c'est une très vieille chanson. C'est pas du tout. Absolument pas. Absolument. J'ai envie de dire, tu parleras à la prochaine. Que j'écoutais quand moi j'étais jeune, mais qu'en réalité mes grands-parents peut-être écoutaient quand ils étaient jeunes. Probablement pas en fait. Ah non, c'est pas tout de suite. Est-ce que quelqu'un a une lingette pour les lunettes de Florian? Il me semblerait qu'il n'y voit plus très clair. La prochaine chanson, c'est pas du tout ce qu'il a dit, c'est celle d'après. C'est celle d'après. Vous savez, dans la vie des fois, on aimerait bien avoir une sauvegarde automatique pour pouvoir revenir avant de dire une connerie. C'est ce qui vient de se passer. Oh, quelle magnifique transition. Sauvegarde automatique.
c'est un morceau super vieux et en fait ça s'enchaîne mieux avec sauvegarde. Non, je pense pas. Ouais, ça s'enchaînait mieux avant. Ça s'enchaînait mieux avant. Tu veux dire que c'est une reprise? Et c'est une reprise, ouais. Sérieux? Ouais, c'est une reprise. Mais de qui? C'est une reprise que mes parents. Non, les parents de mes parents pouvaient écouter. On peut tromper. Voilà. Mais c'est la reprise de qui? C'est une reprise de Elvis Presley. Oh, de Dieu, de Dieu. Oh putain. Voilà, comme les gaufrettes. Comme les gaufrettes. Les gaufrettes Elvis. Allez, on y va. C'est une super bonne blague. Ok. 1, 2, 1, 2, 3. Applaudimètre. Ceux qui ont trouvé ça super cool qu'on fasse des ça, applaudissez. Ceux qui pensent qu'on ne devrait plus jamais faire ça, applaudissez. Ah, ah, c'est partagé. Alors en fait, ça fait un peu un choix épicurien comme ça. Comme la prochaine chanson. Le choix du lèvre. Oh! Oh.
Avant toute chose, j'aimerais que vous fassiez un plein air de bruit pour votre justice parce que c'est encore incroyable.